Quand je me lève, Seigneur, et quand je me couche, tu es là. Quand je parle, Seigneur, et quand je me tais, tu es là. Ce matin, nous voici en ce temple, nous voici en communion d'Église universelle pour te célébrer et pour proclamer que c'est ta grâce et ta paix qui nous sont données et renouvelées ce matin. En ton amour, Père, et par notre communion en Jésus-Christ, et par la présence en nous de l'Esprit-Saint. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et avec notre excellent Norberto, qui s'est déjà exprimé, avec nos excellents conseillers de paroisse et conseillères Daniel Bess et Marcello Urio, je dis les prénoms, je dis les noms de famille, je dis comme ça vient. Avec Basile, qui est là pour la vidéo, et qui avec Matteo, justement, qui est là aujourd'hui pour la vidéo et qui remplace Basile au pied levé, mais ils sont tous les deux excellents. Et avec notre excellente fleuriste, qui a amené les fleurs, en fait, c'est Corinne. Noble Rossès, sauf erreur si je dis pas. Non, Ross Noblet. Oui, j'ai inversé. C'est intéressant. Ross Noblet, qui a apporté tout à l'heure les fleurs. Eh bien, nous vous accueillons. Vous êtes les bienvenus en ce temple des eaux vives et j'accueille un petit peu en avance toutes celles et ceux qui regarderont justement la vidéo. Je vous remercie de vous être avancés parce que c'est vrai que moi, quand j'ai regardé la vidéo à Champel, il y avait plein de monde, et ben sur les trois premiers bancs, il n'y avait pas grand monde. Alors je pense que c'est un peu dommage. Alors voilà, nous sommes plus réunis, et même si je me sens un petit peu distante, mais nous sommes ensemble ici pour célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, l'intitulé de notre culte, c'est « Jésus, berger des bergers ». Sur le feuillet, vous voyez une peinture naïve que j'ai rencontrée lundi dernier lors d'une promenade avec mes amis sur la paroi d'un racard à Visperterminen, voilà. C'est pas facile à dire, mais peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, vous voyez ce berger avec sa longue houlette qui se détache avec son troupeau sur un fond de montagne au coucher de soleil. Et cette peinture toute simple et justement cette présence des moutons aussi dans les champs, très curieux, j'avais jamais vu des moutons comme ça, moitié blanc et moitié noir. C'était pas des nez noirs, c'était des moutons moitié blanc, moitié noir, et d'autres troupeaux de chèvres et de bovins. Eh bien, en voyant cette peinture et puis cette vie dans les montagnes, ça m'a évidemment fait penser au berger, au psaume 23. Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Mais j'ai aussi pensé au métier de berger et de bergère qui existe, oui, bel et bien, encore aujourd'hui, avec même des formations et des diplômes à la clé. Un métier ancestral qui traverse le temps, les temps de l'humanité, et qui existe encore aujourd'hui en notre troisième millénaire. Et j'ai pensé à l'évocation des bergers et des troupeaux qui traversent toute notre Bible et que Jésus lui-même, qui se dit berger, le dit lorsqu'il parle de lui-même et de sa vocation sur notre terre. Voilà pourquoi je vous propose ce matin de nous promener un peu sur les terres de nos montagnes et de nos plaines, encore parcouru par des troupeaux, et il y en a encore à Genève. Et que ce soit comme nous promener aussi un peu sur nos terres intérieures, et de nous ouvrir à ce que Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit-Saint nous enseigne, et comment cela peut nous toucher personnellement au cœur de notre vie, qu'elle soit voilà, personnelle, familiale, sociale ou spirituelle. Je vous invite à préparer le cantique 357. Il y a déjà une erreur là sur votre feuillet, je crois. C'est que c'est la première et les deux dernières strophes qui sont la quatrième et la cinquième.
Donc 357, nous chanterons donc la première, la quatrième et la cinquième strophe, les deux dernières, après cette prière, ce psaume des bergers. Psaume 23, nous prions. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires, face à mes adversités. Tu oins d'huile ma tête pour me bénir et ma coupe déborde. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je veux habiter la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Et nous chantons, grand Dieu, nous te bénissons. 357. Propose, vous savez, on fait toujours dans un bon culte protestant un rappel de la loi. Je l'ai intitulé « 10 paroles pour la vie », mais nous ne les dirons pas parce que peut-être que vous les connaissez par cœur. Je vous propose plutôt de regarder dans le livre du Deutéronome, à la fin de ce livre, au chapitre 30, comment cette loi, ce commandement est donné à Moïse. Et comment il nous le retransmet. Et au milieu de ces paroles, je vous propose d'enchaîner la prière d'humilité, pas à pas. Voici la première parole, Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ce commandement que je te donne aujourd'hui, parole du Seigneur, il n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel, on dirait alors, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique.
Il n'est pas non plus au-delà des mers. On dirait alors qu'il va pour nous passer outre-mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Non, ma parole, elle est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Elle est toute proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Nous prions. Seigneur, pardon, nous voici devant toi chacune, chacun, avec nos problèmes et nos solutions, avec nos faillites et nos réussites. Alors, oui, c'est vrai, nous avons bien de la peine parfois à la mettre en pratique, cette parole qui nous dit de t'aimer, de rester proche de toi, de laisser parler notre cœur et de parler avec du cœur dans certaines situations difficiles, cruelles, opaques. Et dans le Deutéronome, la parole continue. Regarde, parole du Seigneur. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Nous prions encore. Seigneur, pardon. Ce n'est pas que je sois forcément content ou contente de mes malheurs ou des malheurs des autres, mais parfois je ne lutte même plus. Je me dis que je n'ai pas le choix, que c'est comme ça, et puis tant pis pour moi. Ou encore, Seigneur, pour moi ça va assez bien, mais il m'arrive de passer à côté de quelqu'un ou de quelqu'une qui vit cette détresse, et je ne le vois pas. Ou je ne la vois pas, ou je n'ai pas le courage, ni peut-être même l'envie, de lui remonter le moral, de la soutenir, cette personne qui a tant de peine à choisir la vie. Et moi, je me retiens de lui proposer de te demander de l'aide, Seigneur, d'avoir confiance en toi. Et dans la parole aujourd'hui de l'évangile de Jean, Jésus dit: je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Alors Seigneur, pardon. Pardon Seigneur Jésus, mais oui. Parfois c'est quand même compliqué de t'aimer et de te laisser prendre la première place dans ma vie. Et parfois c'est compliqué d'aimer mon prochain, ma prochaine, et de lui laisser prendre la première place dans ma vie, même pour quelques minutes ou pour quelques sous. Pardon, Seigneur, pardon. Et je vous invite à vous lever pour entendre une parole de pardon au pluriel. Je vous en prie, levez-vous. Mon enfant bien-aimé, je sais tout cela et je te connais. Je connais ton amour pour moi. Et comme tu tentes de répondre le mieux possible à mon amour et à ma parole, je mesure ta foi profonde et tout ce que nous vivons ensemble au fil des jours. Alors oui, mon pardon, il est toujours là, à ta disposition. Et des forces, du courage, du discernement, sois-en certain, sois-en certaine, je te les donne en tout temps, chaque jour, à chaque heure, si tu le veux bien. Ce n'est pas si compliqué. Quand c'est difficile, quand c'est exigeant, pense à choisir ce qui fait vivre plutôt que ce qui mène à la défaite. Quand tu es face à ce qui peut rendre malheureux, pense à ce qui peut rendre heureux. Et en général, pense le plus possible à choisir le meilleur de la vie
et le meilleur de l'amour, en restant près de moi, ton Seigneur et ton Dieu, c'est tout ce que je te demande. Et tu verras, quand tu demeures simplement dans mon amour, et c'est moi qui te guide, et je parle à ton cœur, et toi tout naturellement, tu parleras au cœur de telle ou telle personne qui en aurait besoin. Amen, c'est vrai. Et avant d'ouvrir la parole dans l'Évangile dans l'Évangile, eh bien, je vous propose de chanter le chant 211. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Je suis le bon berger, Jean 10, 11, 18. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon père me connaît et que je connais mon père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau.
Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évangile au chapitre 21, versets 15 à 19. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paix, mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Que c'est beau l'Évangile, aussi beau que cette musique et que ces vitraux. Nous sommes entourés de beauté. J'aurais peut-être même pas besoin de vous les commenter, mais je me suis donné de la peine quand même. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé. J'ai intitulé ce message « Être berger et bergère », mais quel métier ? Alors, je commence par vous dire que depuis 23 années, chaque été, nous faisons une semaine de marche en montagne avec mes amis, sac à dos, et pendant toute la semaine. Et nous avons commencé par les vitraux du Jura sur 3 ans. Ensuite, nous avons découvert les bis pendant plusieurs années. Nous avons fait le tour des Muvrans et reçu un diplôme. Et toutes ces découvertes de nos Alpes, c'est vraiment une semaine magnifique. Et cette semaine, donc, comme je vous le disais, de notre marche des mamies, on nous appelait les mamies, alors j'ai intitulé M majuscule apostrophe A majuscule amie, les mamies, parce qu'on était jeunes au départ.
Notre marche des mamies, donc, au-dessus de Vispe, de Viège, donc, à Visperterminen, et puis de l'autre côté de la vallée du Rhône, du côté de Leukerbad, à Louech-les-Bains. Comme je l'ai évoqué, cette peinture de berger sur la paroi en bois noir de ce racard m'a beaucoup touchée, et en pensant à Jésus-Christ, m'est venue cette idée, Jésus, le berger des bergers. Au-delà du psaume 23 et au-delà de diverses paroles des vieux prophètes, j'ai pensé aussi aux témoins et aux apôtres, aux hommes et aux femmes d'hier et d'aujourd'hui. J'ai pensé à Pierre, ce fameux et fougueux disciple devenu apôtre, mais ce n'était pas tout de suite. Il y a eu cet appel à vocation de Jésus. « Paix mes brebis, mène mon troupeau. » Et en ce dimanche de fin d'été, je vous invite donc à cette promenade en montagne à la rencontre des bergères et des bergers, de ce que cela représente de compétences et de soins, ce métier, pour mieux comprendre ce que cette parabole, on va dire, cette symbolique, signifie pour nous. Je vous emmène à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a offert d'être comme un grand berger lui-même qui s'occuperait des brebis, des agneaux que nous sommes, et de son petit, de son grand troupeau. Vous avez entendu que ce n'est pas le troupeau fermé qui l'intéresse, mais aussi toutes celles et ceux qui sont en dehors. Et déjà, nous rencontrons donc en chemin ce disciple fougueux, fou d'amour pour Dieu, pour son maître, et souvent à côté de ce qui se doit. Mais néanmoins, c'est lui justement qui est choisi et surtout re-choisi par Jésus le Nazaréen, devenu Jésus le ressuscité. Sur cette plage de la fin de l'évangile de Jean où il se montre, il se fait voir à ses disciples. Pierre que Jésus convoque à réparation. Réparation pour qu'il puisse continuer son service de Dieu là où Dieu le voudrait, là où Dieu l'enverrait plus loin malgré ses trois reniements. C'est ainsi que Jésus se montre vivant après sa mort sur cette plage et ouvre avec Pierre un mystérieux dialogue. C'est ainsi qu'il appelle de nouveau ce pêcheur du lac, devenu son disciple sur les chemins de terre et de poussière. C'est ainsi qu'il l'appelle à devenir berger et à paître ses brebis comme lui, Jésus, le fait. Et a dit qu'il le ferait. Il l'appelle à nouveau comme autrefois il l'avait appelé à tout quitter pour devenir pêcheur d'hommes. Mais cette fois, Jésus amène Pierre à quitter ses remords, ses hontes, ses faillites, pour se lever, pour se relever, et pour redevenir ce leader passionné pour le Seigneur, ce pêcheur d'hommes avec une nouvelle mission et de nouvelles compétences qui sont accompagner, soigner, rassembler, veiller sur, guider, protéger. Oui, car berger n'est pas pêcheur, avec un circonflexe de la pêche. Berger, aujourd'hui encore, c'est un métier d'élevage pour aider à vivre. J'ai lu une fiche professionnelle et je me suis dit qu'on pouvait imaginer d'être berger sur la montagne ou bergère. Imaginez-vous donc en montagne, à l'alpage, vous êtes arrivé avec votre troupeau, vous avez géré la transhumance, vous avez plusieurs races d'ovins, peut-être de bovins, il y a aussi des bergers pour les bovins. Et ils appartiennent à différents éleveurs qui vous les ont confiés le temps de l'estive. Vous êtes à l'évidence un ami des bêtes, un ami de la nature. Et vous réalisez un travail méconnu du grand public avec des missions qui vont bien au-delà de la conduite du troupeau
car il faudra chercher pâture, déplacer le troupeau aux bons endroits, des lieux qu'il faudra connaître, respecter et aussi soigner, autant que les brebis et les bêtes qui vous sont confiées. Organiser les déplacements, les parcours, soigner les blessés, parfois même procéder aux naissances, parfois lutter contre les prédateurs, évidemment, et même maintenant complètement lutter contre les prédateurs. Bon, des ours, il n'y en a pas trop, mais c'est surtout les loups en ce moment. Prévenir leurs attaques avec l'aide d'un ou plusieurs chiens qu'il a fallu élever. Peut-être procéder au marquage des brebis selon les propriétaires, mais comme le dit l'Évangile, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, elles reconnaissent ma voix », sans doute que c'est vrai. Il y aura donc à connaître chaque brebis, procéder à leur marquage selon leur propriétaire. Peut-être saurez-vous faire du fromage. Et alors, il faudra apprendre à traire déjà les brebis, à en prendre soin, à connaître les recettes, à prendre soin aussi des outils, du matériel. Et puis, vous organisez pour votre vie personnelle, vos repas, vos habits, votre logis, vos journées, vos nuits. Les qualités pour être bergère ou berger, vous les cultiverez, vous serez passionné de la nature. Votre rythme de vie se calera au rythme des saisons. Vous vivrez la plupart du temps dehors, au milieu des alpages ou des plaines. Vous serez d'un tempérament calme et confiant, car vous devrez conduire un troupeau sans perdre patience et avec autorité intérieure. C'est long, hein, le métier de berger, c'est polyvalent. Face aux événements imprévus, aux aléas de la météo, à votre solitude, vous aurez une grande capacité de vous adapter et de prendre les bonnes décisions. Vous saurez gérer votre temps en prenant soin des animaux et de la pâture, avec nombre de connaissances techniques, de compétences, de savoir-faire, acquis aussi par vos expériences et en autonomie. Comme vous orienter dans les montagnes, connaître la flore et la faune, la zootechnie, comme on dit techniquement, la pastorale en estive, et peut-être saurez-vous également tondre les moutons. Ou aurez-vous d'autres savoirs techniques concernant la nature, les herbes qui soignent, ou l'élevage. Et l'occasion se présentera aussi dans ce métier solitaire de quelques rencontres de randonneurs, de gardes forestiers, de gestionnaires d'espace et de délégués des taxes. Le psaume 23 nous dit tout cela. Jésus lui-même aussi nous dit tout cela dans l'évangile de Jean, évidemment, d'une autre manière. Je suis le bon berger. Je connais mon travail, je connais les brebis, je vous connais, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans les paroles de pardon. Dans le premier testament, Dieu est le berger et son peuple est son troupeau. On le voit dans la Genèse, dans les psaumes, dans les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on trouve cette double affirmation reportée sur Jésus et sur l'Église. Et dans les deux testaments, les ministres de Dieu ou du Christ sont appelés bergers et pasteurs, le nom qui nous est resté dans les églises réformées. Ainsi, le bon berger rassemble le troupeau de Dieu pour le dénombrer, le conduire, le garder, le défendre, le mener au pâturage du salut, le juger aussi, afin d'écarter les dangers de violences intestines et les risques potentiels de malheur. Tout cela est un résumé de tous les endroits où le mot « berger » est cité dans ces deux testaments. D'une autre manière, avoir Jésus pour berger et pasteur, c'est avoir la paix, le repos, la vie. C'est avoir sa place dans le troupeau, être intégré, être réordonné dans l'ensemble
avec les autres. Jésus, berger, est ainsi prophète. Il est prêtre, il est roi, il est le grand pasteur. Il résume en lui tout le ministère pastoral qu'il a reçu de son Père dans l'amour réciproque. Et on voit cela dans les versets, voilà. Il est prophète au verset 3, ah oui, on ne l'a pas sous les yeux, au verset 15. « Comme mon Père me connaît, je connais mon Père et je donne ma vie pour les brebis. » C'est une sorte de prêtrise, de manière d'être... oui, vraiment le soignant qui se donne complètement pour que les soins soient donnés à son troupeau et dans l'Église, dans les communautés, à chaque personne. Et puis, roi, peut-être on peut le voir au verset 11, « Je suis le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis ». Voilà, c'est des interprétations qu'on peut creuser, mais j'ai bien aimé cette idée que dans ce ministère de berger, il y a ces trois grandes attitudes du Christ, de prophète, de prêtre et de roi, qu'il a reçu de son Père dans cet amour réciproque. Et en parlant d'amour, nous voici revenus à la vocation de Pierre. Pierre qui a trahi trois fois ce maître qu'il aimait. Et qui l'aimait ? Eh bien oui, c'est arrivé. Alors, c'est aussi arrivé à Judas de trahir son maître, et Judas a choisi la mort. Pierre a choisi la vie, il est resté, mais sans doute, ce n'est pas une vie très agréable et très confortable après ce malheur qu'il a lui-même provoqué. Et alors, Jésus ressuscité, c'est déjà une affaire de foi, de voir ce Jésus ressuscité. Il vient le restaurer à sa valeur d'homme, à sa valeur de, oui, de berger, de leader qui va devoir rassembler des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux. Et ça passe par l'amour. M'aimes-tu ? Jésus lui pose cette question. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Une fois, il répond oui. Deux fois, ben oui. Trois fois, mais non Seigneur, ça va. Je te l'ai déjà dit deux fois. Mais pourquoi trois fois? Parce que ça répare les trois reniements, bien entendu. Et chaque fois, Jésus lui dit, alors, puisque tu m'aimes, puisque tu le dis, alors je t'institue berger sur mes brebis. Voilà, cette vocation de berger, de pasteur, elle se reçoit et elle se vit dans l'amour. Et c'est ainsi pour toute brebis du Seigneur, pour chacune et chacun de ses enfants bien-aimés de Dieu, bien-aimés en Jésus-Christ. Notre vocation, notre place dans le troupeau du Seigneur, nous la recevons et nous la vivons dans son amour et dans son Église qui est son troupeau, et aussi dans l'universelle Église, au-delà de notre petit troupeau à nous. Alors évidemment, il y aurait une objection, surtout pour nous les protestants. Comment être dans un troupeau aux brebis bêlantes et obéissantes ? Oh non, quand même ! Non, nous sommes des êtres responsables, libres, et nous ne sommes pas prêts à nous laisser emballer dans un troupeau où nous serions, oui, guidés comme ça par la force des choses. Alors, on peut le voir comme ça, hein, comme on peut voir toute chose d'une manière un peu négative. Moi, je dirais positivement, déjà, il y a eu au temps de la réforme dans les Cévennes, au temps de la lutte, dans les Cévennes, il y avait ce logo, cette phrase, cette stratégie des gens persécutés vraiment et qui disait
nous sommes le petit troupeau et Dieu prend soin de son petit troupeau. Et ça les a aidés à traverser quand même. C'est pas pour faire des polémiques, mais juste pour dire que quand on est dans des graves difficultés, peut-être que le sentiment de ne pas être tout seul, d'être avec les autres, d'être dans une attitude de grâce et de paix ensemble, ça nous permet de traverser. Et puis, ce que je pourrais dire d'autre, c'est que nous avons de la chance. Moi, je dis, nous avons de la chance. Et je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas que c'est une chance d'être dans cette foi en Dieu, d'être dans cette foi en ce Dieu qui nous aime d'amour et qui nous accompagne et qui nous connaît et qui ressuscite pour nous, pour que nous soyons vraiment vivants. Voilà mes réflexions que nous pourrions continuer. Je suis sûre que vous en avez aussi à partager. Je dis simplement Amen, et peut-être que nous pourrons partager encore tout à l'heure autour du verre de l'amitié. Amen. Je voudrais nous inviter à confesser notre foi. Et voilà que comme j'étais à la montagne, je n'avais pas le psaume et cantique. Et je vous propose, voilà, je le trouve maintenant, de lire la confession de foi au numéro, sauf erreur, 169. Voilà. 169. C'est une très ancienne confession de foi puisque c'est le symbole des apôtres du deuxième siècle. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la confession de foi au numéro 169. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous offres ce pain et ce vin fruit de la terre et du travail humain. Nous te les présentons. Ils sont pour nous pain de vie et vin du festin en ton royaume. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de ton Église dans le souffle de la Pentecôte. Notre vie, tu l'accompagnes. Notre monde, tu l'habites. Nous et ton amour dirigent tout par l'action du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce dernier repas que tu nous as offert en mémorial de la vie, de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu les paroles fondatrices de notre foi à travers tant de siècles. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit, le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce vin. » Jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Thank you.
Pour cette semaine, je vous ai peut-être pas indiqué, mais je le fais maintenant, j'ai quelques feuillets pour ce fameux spectacle qui continue la grande épopée de Salomon ici à Genève. Et cette fois, c'est la pièce de théâtre qui s'appelle Cri. Cri, je pense que vous connaissez l'histoire de Salomon. Et ce fameux jugement entre deux femmes et ce cri. Alors, il a lieu au bâtiment de la Julienne, c'est donc à Plan-les-Ouates, la maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates. C'est vers la place des Aviateurs, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut. C'est du mardi 10 au dimanche 22 septembre à 20h. C'est bien de s'inscrire. De réserver. En fait, c'est Temple aux Arts qui a prévu et préparé ce spectacle, qui est mis en scène par le texte aussi, a été préparé et c'est mis en scène par Miguel Fernandez, vous savez, qui est un acteur bien connu maintenant à Genève, surtout dans les milieux d'église. L'assistante mise en scène, c'est Garance Félix, c'est donc une fille du pasteur Bernard Félix, et puis il y a toute autre sorte de renseignements sur le feuillet que vous avez sans doute vu passer cet été, il y en a peut-être, j'espère, un peu sur le présentoir, j'en ai quelques-uns ici. Et puis c'était surtout ça que je devais vous dire, est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce à faire importante ou simplement une annonce ? D'accord. Alors, nous allons peut-être faire notre offrande. Est-ce que je vais prier pour l'offrande ? Et puis, nous la ferons. Est-ce que nous la faisons à la sortie ou tout de suite ? Comment vous faites d'habitude ? Pendant le chant. D'accord. Alors, je prie déjà pour l'offrande. Ou non, je prierai après le chant pour l'offrande. Alors, nous allons faire notre offrande pendant le chant, qui est au verso de votre feuillet. Seigneur, nous avons tout reçu de toi. Nous avons aussi reçu ce talent de pouvoir partager nos biens, au moins un peu, comme tu nous le demandes. Nous t'offrons cette offrande, nous te demandons de bénir les personnes qui l'utiliseront pour ton bien, pour ton service, et les personnes qui en recevront les bienfaits. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur en tout temps. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer
gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ, notre berger des bergers. Dans la joie de l'Esprit-Saint qui habite en nos cœurs, le Seigneur nous bénit, nous garde. Allons dans la paix du Christ. Amen.